tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez la forme, la bonne humeur, la patate. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va réagir à mes anciennes vidéos. Allez, c'est parti les amis. Bon les amis, du coup, ça y est, on se retrouve. Donc, première vidéo. Alors, c'est une vidéo donc, de la Tour Eiffel. C'est la première vidéo voilà, que j'ai faite sur la Tour Eiffel qui date du 29 octobre 2013. Je me souviens que pour faire la promotion de cette première vidéo, j'avais mis cette vidéo en disant en commentaire de youtubeurs plus connus, hein, tout simplement. On regarde et on réagit un petit peu à tout ça. Donc, je voulais vous remercier pour toutes les vues qu'il y a eu sur mes autres vidéos. Et là, je vous montre une vidéo de la Tour Eiffel. Alors déjà, les gens... Moi, il y a un truc qui me choque, c'est ma voix. Bon, on voit que c'était en 2013, quoi. Hein. Et vous voyez aussi la qualité de la vidéo. Je vous le mets à l'écran, bien sûr, pour que vous puissiez le voir. Mais vous voyez la qualité de la vidéo qui est pas top top. Donc, le Tour Eiffel fait en allumette. Je pense qu'il vous ferait penser au film du Dîner de con. Nouvelle formule du journal de la télé écolo. Et puis des vidéos sur la Tour Eiffel, sur l'avancée de la Tour Eiffel, etc. Toujours des vidéos. Bon, les amis, je pense qu'on a déjà vu assez. Mais il faut savoir que si je dis les vidéos de la télé écolo, c'est parce qu'à l'époque, avant que je sois sur YouTube, un vrai journal que j'avais distribué à mes voisins et tout. Donc c'était drôle, mais je m'amusais déjà à l'époque et j'avais fait le journal de la télé écolo où j'avais pris l'imprimante de ma mère, j'avais tapissé tout le fond. Mais bon, on voit quand même l'amateurisme dans cette vidéo et en plus elle dure 41 secondes. Seconde vidéo les amis qui date de 2015. Donc là c'est les premières vidéos des 5 blagues nulles en une minute. Alors il faut savoir qu'à l'époque déjà j'étais un peu plus actif et surtout je venais d'avoir mon iPod Touch parce que la première vidéo qu'on a vue juste avant était tournée avec un vieux Samsung. Alors, déjà vous voyez que ça change direct. Il y a un petit montage qui est fait. La vidéo de avant, il y a zéro montage. Là, on voit qu'il y a du montage. Et salut à tous, bienvenue sur la Antoine TV. On se... Alors déjà, ce qui change, c'est que déjà, on voit ma gueule. Hein. Qu'est-ce qu'elle a ma gueule? On voit ma gueule et là, on voit quand même que déjà, on essaye de faire un petit cadrage. Qu'il y a un peu plus de montage et tout ça, vous avez pu voir les petites transitions et tout ça by iMovie. On se retrouve pour cette nouvelle vidéo. Cette nouvelle série va remplacer la série du mois du mois. Elle s'appelle la série donc. Alors, pourquoi je rigole? Parce que à l'époque j'avais beaucoup d'imagination. Je faisais beaucoup de séries, beaucoup de machins et bien souvent je me cherchais en fait dans ce que je voulais faire. J'avais trouvé une nouvelle série qui me convenait et qui remplaçait le mot du mois où en fait le mot du mois, le principe très clairement c'était de parler d'un mot que j'avais choisi. De 5 blagues nulles en 1 minute 30. 5 blagues nulles en 1 minute 30 et c'est parti tout de suite. Ah, en 1 minute 30 les amis, c'était pas en 1 minute. Hein. Du coup, déjà, j'ai mis tout entre le titre et la réalité. Bon, déjà, on voit tout de suite que là, ça bégaye, ça machin et tout ça. C'est, ça se voit que c'est les premières. Ça se voit que c'est les premières. Pourtant, j'avais déjà fait mon atelier cinéma. Dis à Merlin de devenir le roi de le roi Merlin. Voilà, c'était pourri. Alors, franchement les amis, et en plus là, vous voyez au montage que... J'avais en fait filmé le chronomètre de mon téléphone. J'avais toujours un Samsung à côté de mon iPod Touch. Du coup les amis, cette troisième vidéo, c'est donc un vlog qui date de 2016. Donc là, on passe encore à un an. Hey, salut à tous les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Cette fois-ci, c'est une vidéo de mes vacances. Voilà, je suis parti en vacances à La Rochelle. J'ai essayé de vous faire une petite vidéo marrante de tout ce que j'ai pu voir. J'ai essayé... Bon, déjà les amis, grosse évolution par rapport à 2016. Il faut savoir que là, j'avais arrêté. Enfin, je filmais toujours sur un iPod Touch, mais je faisais plus du iMovie pour le montage. Je suis passé sur Sony Vegas Pro 13. Et bon, bah, on voit, il y a encore une petite évolution, progression et tout ça. Encore un peu plus de montage et enfin une intro après déjà 3 ans de début de vidéo.
production, même si on sent l'amateurisme, on voit que c'est filmé d'ailleurs avec un iPod Touch et pas dans le bon sens, puisqu'il est filmé donc dans ce sens-là et pas dans ce sens-là, parce que du coup nous avons des bords. Bon, aussi les amis, donc là toujours filmé, hein, pas dans le bon sens. L'avantage c'est qu'on voit une progression aussi par rapport au like et tout ça. Alors les amis, je reviens juste avant là un petit peu. Et c'est ça qui me fait rire, c'est que juste avant on voit une scène un peu dans le noir, et l'inconvénient de l'iPod Touch à l'époque, c'est qu'il n'y avait pas une aussi belle qualité qu'aujourd'hui, même si déjà il y avait une meilleure qualité que la Samsung. Vous voyez ici là, vous avez donc, elle a eu du mal à faire la mise à niveau l'iPod Touch, et donc on voyait du flou et tout ça. Après par contre il y avait une bonne qualité. Les amis, on passe à la dernière vidéo qu'on a sélectionnée, donc c'est une vidéo FAQ, donc là. Hey, salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez la forme, la bonne humeur, la patate. Alors là les amis, j'étais trop dégoûté parce qu'en plus j'avais fait un effort pour bien faire les choses. On voit que le cadrage est quand même de mieux en mieux, on est toujours un an plus tard. Une petite vidéo assez particulière. Et oui, comme vous le savez, depuis un certain temps, nous avons atteint les 1000 abonnés. 1000 abonnés, 1000 abonnés, 1000 abonnés. Donc en 2017, effectivement, j'avais atteint les 1000 abonnés. Et grâce à vous sur Periscope, et merci encore à vous d'être toujours aussi nombreux à me suivre, ça fait extrêmement plaisir. Une petite vidéo et puis voilà, bisous. Salut Antoine, et ben je voulais te dire bravo pour tes 1000 abonnés. Voilà, bravo, bravo. J'avais demandé pour mes abonnés de me faire des vidéos et de me les envoyer par mail et tout ça. Et donc j'avais eu pas mal de petites vidéos pour me féliciter pour mes 1000 abonnés. Allez, on se retrouve tout de suite pour la conclusion. Et voilà les amis, c'était tout pour aujourd'hui. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un petit like. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la petite clochette. C'est très important pour avoir plus de vidéos et plus de fun. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo, mes petits coms. Ciao, bye bye. Peace.